Allez, salut tout le monde, c'est Tazorik Perassia. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 13 de notre Let's Play 100% sur Diablo 3 Reaper of Soul. J'espère que vous allez bien. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, nous avons exploré le champ des malheurs dans lequel nous avons avancé, enfin nous avons été dans les certaines, dans les tanières de Chorag, de Crognard, dans les tanières de Chakaz, de Khazars, et du coup il fallait aller dans la crypte délabrée. Du coup, on va faire ça durant cet épisode. Alors, pour vous dire, vu que je tourne en avance, je risquerai de parler un peu moins que d'habitude. Je sors du dentiste et je souffre un peu. Enfin, je souffre un peu. Beaucoup. Donc, je vous garantis pas un épisode de haute qualité pour cette fois-ci. Mais au moins, ça vous permettra de mieux apprécier le jeu. Faut trouver du positif. J'ai mieux apprécié le jeu pour ces 4 épisodes. Du coup, nous allons explorer le champ des malheurs. Alors, y a des ennemis de partout. Il y a des ennemis de partout. C'est horrible. C'est la caverne Ali Baba, quoi. Voilà. Évidemment, le chemin principal, on le fera plus tard. On va avancer comme ça parce que sinon, on va pas y arriver. Du coup, des ennemis un peu de partout. J'ai pris un petit spiffen avant de commencer l'épisode, les amis. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de parler pour le moment. Par contre, il me fait plus effet à bout de 40. Enfin, en général, c'est après de 40 minutes. Donc là, ça va. Mais dans 40 minutes, ça va pas aller. Donc c'est pour ça que. Je verrai mon état si je tourne les 2 autres épisodes. Si je vois que je vais bien, ben je tournerai les 2 autres épisodes. Si je vois que ça va pas, je tournerai les 2 autres épisodes que quand j'irai mieux. Bon, en tout cas, quand j'aurai mon mal. Du coup, au prochain spiffen que je prendrai. Oh non! Voilà. Alors, du coup, non, ça c'est de la merde. Mais c'est de la merde! Sérieusement! Allez, par contre, ça... Ah, d'accord, non, magnifique. Demain. Cercueil. Alors, il faut chercher un peu de partout, parce qu'il peut y avoir des livres et tout un peu facilement cachés. Et vu comme je suis un peu défoncé aujourd'hui, hein, je vous expliquais le coup de l'anesthésie, je pense que, honnêtement, vu que je suis fatigué, c'est pas la peine de compter sur mon œil. Donc, si... Au cas où dans les... Alors, évidemment, bon, cet épisode aura paru bien plus tard, donc vous pourrez pas me dire, mais si j'ai oublié des trucs, pendant le montage de la vidéo, j'irai le récupérer avec vous. Je ferai comme d'habitude une petite ellipse, ouais, une genre d'ellipse bonus, où vous aurez le truc que je vous ai oublié. Enfin, que j'ai oublié. Ça faisait longtemps, il y avait des reines de misère et tout. Ça faisait très longtemps. Bah, bon, c'est pas vraiment des reines de misère, mais ça y ressemble. Par contre, je veux pas dire, mais c'est la merde ici. Mais c'est de la merde. Ah, par contre, alors toi, inventaire. Ah non, toi, je t'en ai déjà acheté un. Ouais, bon, non, en fait, ça servira à rien, en fait. Ça servira à rien, on a tous les deux les mêmes. Alors, du coup, on va aller voir les vases. Même là-dedans, il peut y avoir des livres, donc je préfère tout casser, vérifier un peu de partout. Pour savoir si je n'ai rien oublié, parce que j'aurais vraiment pas du tout envie de revenir si j'oublie un truc. Ah, je vous le dis, si j'oublie un truc, j'ai pas du tout envie de revenir. Donc, même si je serais obligé, mais... Allez, parfait.
demain, c'est bidon à l'avance. Donc quand j'ai vu demain, je me suis dit c'est déjà niqué à l'avance, donc c'est pas besoin. Du coup, nous allons continuer. Donc ça se dit que c'est sur plusieurs niveaux. Ça a l'air grand par contre, hein. Ça a l'air très grand. Ouais, c'est très grand. Le truc, c'est qu'on est en train de s'éloigner du chemin principal. Donc c'est pour ça que ça m'inquiète un peu parce que du coup, j'ai pas visité. J'espère qu'il y aura un truc qui permettra de rejoindre à peu près. Que de me taper tout le tour. Parce que honnêtement, j'ai pas envie de me taper tout le tour. Ouais, regardez. Ça rejoint, ça commence à... On commence à aller vers là-bas. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est bon. Ça c'est deux mains. J'en suis sûr. Vu la taille de l'épée. Ah non, une main. Ah, j'ai rien dit, j'aurais dû me taire. D'accord. Moins de robustesse, mais de la récupération et beaucoup de dégâts. Je valide. Du coup, toi, on va t'équiper inventaire et compétences de cette deuxième arme, du coup. Voilà. Comme ça, au moins, tu as ça pour attaquer. Alors, du coup. Du coup, c'est la merde. Du coup, c'est la merde parce que... Ah, bon Bah oui, ma foi. Ils ont cru qu'ils allaient se laisser faire ces croisés. Transformés en chair putréfiée. Apparemment, là, ça m'inquiète. Là, je m'éloigne vraiment du mon truc. C'est le chemin principal. Ah, c'est le chemin principal. J'en suis sûr que c'est le chemin principal. Bon, être aussi éloigné. Donc, je vais directement aller au chemin qui se situe là. Donc du coup, ça veut dire se taper tout le détour. Oh là là. Ils auraient bien pu créer un petit raccourci, quoi. Oh, amulette intelligente. Amulette intelligente. Alors, du coup. À gauche. À gauche. Allez, on avait raté ça. On avait aussi raté ça. Heureusement qu'on y revient. Putain, on les dégomme facilement les items. Enfin, en tout cas, les objets. Allez, du coup, nous allons descendre. Attendez, j'ai mon chat dehors, les amis. Mon frère va tenter de les appeler, donc je vous dis à tout de suite. Anna, viens, ma nana. Tu la vois? Nana? Nana? Ma nana? Elle attrape un insecte, non? Elle focalise sur un insecte. Elle est rentrée? Parfait. Parfait. Je te remercie. Du coup, je recontinue l'épisode. Me revoilà. Les amis, c'est fait, mon chat est rentré de dehors. Après appels. Ouais, on prend pas les risques. Je préfère largement qu'il soit rentré la nuit. Je perds pas de risque. Parce que honnêtement, ça me fait chier vu qu'on voit pas, vu qu'il y a des animaux un peu dangereux dehors. En plus, il y a des gens aussi dangereux. Je vis à campagne, je rappelle, hein. Donc le chat, il peut dormir tranquillement, il peut se faire du coup attaquer par une personne ou quoi. En plus, ma ville où je suis, c'est réputé un peu pour pour tous ces problèmes-là. C'est pour ça que je préfère éviter de prendre des risques inutiles.
Alors que là, j'ai déjà une solution. Oh putain, en jambe. What? Ah oui, totalement. Ça fait moins de force, mais au moins. Ah oui, du coup, inventaire et compétences. Ouais, du coup, en fait, bon, lui, putain, j'aimerais bien. C'est quand ça peut être relique? Bon, c'est au niveau 18, tu me dirais. Donc c'est. Oh, c'est bientôt en fait. C'est quoi ce truc? Oh, non! Je dois trouver la fureur. Viens ici! Viens ici! Viens ici! Voilà! Ça c'est. Oh putain! Oh. D'accord, trop de choses. Trop de choses. Bon, heureusement qu'ils en ont. Avant, dans une des mises à jour, il y en avait. À chaque mètre cube, ils ont fait une mise à jour tellement qu'il y en avait pour les réduire. Mais il y en avait, je vous dis, de partout. Il n'y avait pas. On pouvait pas faire un pas sans qu'il y en avait en fait. C'était. C'était juste oufissime. Alors, du coup, bidon. Ça, c'est pas bidon par contre. Et le reste, bidon. Par contre, là, il faudra que du coup que j'aille. Comment dire? Au niveau des matériaux, ça va, je suis bon. En fait, ça, j'aurais jamais, je serai jamais en manque, en fait. Ça, il faudrait, j'aurais jamais peur de me dire, merde, je me retrouve sans truc. Vu que j'en obtiens l'appel, là, donc. Allez, hop. Oh là. Bon. Attendez, ça fait pas 20 minutes là? Ça fait 20 minutes normalement, non? Attendez, attendez, attendez. Je dis peut-être une bêtise. Oh non, ça fait 12 minutes que j'ai enregistré, d'accord. J'aurais cru que ça faisait 20 minutes. Ma foi, j'ai pas. Psychologiquement, j'ai cru que ça faisait 20 minutes. Ma foi, bref, c'est pas grave. Une simple impression. Oh, what? C'est quoi le rollback? Oh, il y a un rollback ici? Oh, c'était violent. C'était violent le rollback qu'il y avait ici. D'accord. Attends, on y arrive ou pas au niveau 2? On est avancé ultra loin, on est même pas au niveau 2, on est à peine au niveau 1. Hein. Vous imaginez pas? Putain. Voilà, 15 victimes. 16, 17, 10, 20, 24, 26, 29. Niveau 18. Et du coup, on a débloqué sa relique. À l'autre. Eh ouais, on peut mettre une relique. Bah ça je crois que ça s'achète je crois. La relique. La relique. Attendez, attendez, j'ai débloqué des milliards de choses. Donc je vais m'occuper des compétences. Alors du coup. Les ennemis tués par Fandor explosent. De la fureur supplémentaire générée pour chaque ennemi touché. Non en fait j'aime bien ça. Rupture, j'aime bien, on va garder. Vous créez une onde de choc qui frappe les ennemis qu'elle rencontre. Vous avez quand même un atome ici qui écrabouille. Ah! Réduit le coup de fureur. Attendez, mais j'ai même pas mis de ruine. Bah oui! Quel con! J'ai même pas mis de ruine. Ça, on attendra que ça fasse des dégâts un petit peu plus importants. Parce que je pense pas que ça va faire des dégâts à chaque fois. Ouais, on va attendre un peu, hein. Vous savez quoi? La zone d'effet augmente et les ennemis sont attirés vers vous. Vous menez en direction, impact de fer. Voilà. Bon, ça, il n'y a rien encore. Et ça c'est niveau 20, d'accord. Bon, on a mis quelques petites compétences assez sympatoches. Lui il a pas des compétences. Enfin il a pas de véritables compétences. Voilà, il faut attendre niveau 20 en fait. Alors niveau 20 ça sera quoi? Quand votre vie descend trop bas, alors le templier vole à votre squelette et renverse les ennemis.
Il renverse les ennemis proches et vous soigne. Augmente votre génération de ressources. Ça c'est bien ça pour les pièces d'or. Ça on en aura beaucoup besoin ça. On en aura beaucoup besoin pour les pièces d'or. Tiens, je suis en train de me dire que du coup ça va durer 3 vidéos en fait. Le champ des malheurs. Putain, c'est la première fois. Ça va être horrible. Est-ce que j'ai. Après, est-ce qu'il y aura d'autres cryptes dehors? C'est ça le truc. Est-ce qu'il y aura d'autres tanières ou d'autres grottes ou. Ah, niveau 2. Ah, enfin. Du coup, on va aller en bas. Je pense en bas, c'est peut-être un truc secret ou. Enfin, un coffre ou. Un truc qui s'en rapproche. Eh ben putain, faire ça, tout ça pour ça. Ça, c'est des, ça démoralise quoi. Bah, du coup, on va se rendre au niveau 2 hein, de la crypte délabrée. Je sais pas combien il y a de niveaux dans cette crypte, mais. Ça a l'air grand donc j'espère qu'il y a que 2 niveaux parce que. Honnêtement, vu comme c'est le bordel. D'un fraîchier qui aurait 3 niveaux ou même voir même un peu plus. Mais bon, on va dire on fait pas ça pour rien parce que du coup, nous avons des hauts faits, des livres qu'on récupère, des. Bref, on avance un petit peu. Quoi? Une nouvelle quête, d'accord. Nouvel événement, tuer la famille Rat. Ah d'accord, c'est le père, la mère, la grand-mère, non? Putain, on les a niqués quoi. Oh là là, on est en train de leur faire mal. Mais on est en train de les faire mal. Regardez. Et ben voilà. Non mais sérieusement. L'inventaire est limité. L'espace de votre sac est limité. Pour faire de la place, vous pouvez vendre des objets au marché de la ville ou recycler des objets pour obtenir des. Oui. Du coup, ça nous fait une gemme qu'on va pouvoir implanter. Alors, une gemme de force, celle-là, normalement. Pour insérer 9 points de dégâts. Oui, donc vaut mieux la mettre. Comme ça, au moins, ça sera fait. La chasse est ouverte. Est-ce que ça fait partie des reliques? Est-ce que dans les reliques, il y a ça? Non, il n'y a pas. Certains esprits s'accrochent à ce monde pour réparer des erreurs passées. Je me suis trompé sur ça. Yes. Yes, yes, yes. Sans mais. Ah, mais non. Ouais, mais bon, ça fait plus de dégâts. De toute façon, ça, on en aura plusieurs, donc. C'est pas grave si nous changeons. Du coup, ça veut dire portail de retour en ville, non? Parce que là, on est un peu full. Là, on va être full. Ouais, voilà. Plus de place. Attendez, si on va pouvoir avoir de la place, regardez. Tac, et voilà. Alors du coup, en fait, il y a que de la merde, quoi. Il y a que de la merde. Oh, ça devient déprimant. Récupération. Ouais, mais ça efface trop de récupération, en fait. 21 points de vie par seconde. Ouais, mais pour le moment, je sais pas. Ah, mais on va pouvoir mettre une gemme. Donc, vaut mieux se l'équiper. Et on met cette gemme-là. Voilà, les dégâts élites. Donc, en fait, c'est encore mieux, en fait. Voilà. On va du coup retourner en ville. On va. Comment ça s'appelle? Pas vendre, mais on va. Recycler tout ça. Et après, on y retourne. Et on s'arrêtera là. Donc, on va recycler. Alors, ça, ça. On va y aller petit par petit parce que j'ai pas envie de recycler un objet. Qui peut être sympa comme. Oh non, ça c'est bidon ça. Ok, ok, ok.
Ok. Le malheur d'un guerrier, d'accord. Ah, regardez ce que j'aurais pu faire comme bêtise. Ouais, mais ça m'enlève encore de la récupération. Oh non, mais en fait, ça me relève trop de la récupération. Ouais, mais bon, ça fait aussi des dégâts et de la robustesse. Donc c'est encore mieux. Ouais, bon, la récupération, nous, on en aura hein, quand on pourra. Hein. C'est pas non plus ultra... Non, vous savez quoi? Je suis un peu, je sais que c'est un peu pénible, mais ça c'est le meilleur. Je peux pas, c'est meilleur. Voilà. Ok. Du coup, on va pouvoir bientôt forger une arme. On va bientôt former les trucs. Ah, formation 10 000. Ah, d'accord. Ah oui, quand même. Ah oui, effectivement. Donc c'est pas pour maintenant, en fait. C'est pas pour maintenant. Bon ben les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode numéro 13 de Diablo 3. On va juste faire le tour tout simplement. Ah mais ça continue encore? C'est une vanne? Ah non, je me suis dit quand même. Là, ça continue encore. On va s'arrêter ici sinon mais... Allez, du coup, on va se rendre au champ des malheurs, les amis, puis on va s'arrêter là. Bon, ben, les amis, on va s'arrêter là. Je vous en remercie de m'avoir suivi pour l'épisode numéro 13 de Diablo 3 Reaper of Souls. La prochaine fois, nous continuerons à explorer le champ des malheurs, dans lequel il nous manque, je pense, plus énormément, vu que la zone est quand même... Bon, on l'a bien commencé. Du coup, nous explorerons le sud. Donc, on explore... Vous avez vu, il commence à y avoir des petits murets. Donc, je pense que ça, c'est la fin de la zone. Du coup, on explorera, du coup, le vide. Et puis, nous continuerons, du coup... A partir, bah, tout simplement, on ira au temple englouti, comme ça permettra de continuer la suite. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 13 de Diablo 3 Reapers of Soul. C'était Azric Perassia. Oh yes, allez. Bye tout le monde.